Robert, has she been to Philadelphia? Good morning. How are you? Okay, thank you, thank you. We are so sorry. Oh, good morning. We are so sorry we are late, you know, but we have to do things. Okay. You want to show us who is in charge? The headmaster. Yes. In charge of the school. Okay. Mr. Elo. Okay, and this is Miss. This is Teodosia. Okay. You want to show us around the school, please? Okay. I think these are French. Okay, French. Mire, take over. Mrs. Teodosia, yes. Oh, okay, please. Okay, you want to show us around? What we'd like to do is we'd like to go around and meet the students and take some pictures, and then we'll ask you some questions and talk to the kids too. Yes, yes. Asseyez-vous. Good morning. How are you all doing? I am fine, thank you. Wonderful. You speak English? Huh? Yes, sir. Do you speak French too? Yes, sir. Do you speak Bandunga? Yes, sir. What about Bajung? Yes. Is that what other tribe is there around here? Bandunga is the main dialect. So you speak Bandunga, you speak French, and you speak English. Is that correct? Yes, yes. Wonderful. Okay. Then we have the Francophone section and the Anglophone section. So all of them are just mixed. Yes. We have just mixed the French and the English speaking. For today? Yes, for today. Okay. Who is in the French system? Qui parle seulement français? Qui parle anglais seulement? Les élèves de la session anglophone lèvent le doigt. Lèvent le doigt. Les élèves qui sont là-bas lèvent le doigt. Ok. Oh. So the ones with the hands up are the ones who are in the English. The majority is the French system. Okay. All right. Do they know Dr. Dominic about Dr. Dominic Njinka? No, I don't think. Do you know about him? He said that they heard about him, but they have never had an occasion to actually see him. He just works, but he never shows up. Yeah. Okay. You want to sit down? Let me. Sit down. My name is Makia, and this is my. My brother from another mother, his name is Robert Johnson. Hello. Mon petit frère, d'autre maman. Do you know your mama? Okay. Do you believe that? Vous croyez? Que c'est mon frère? Do you know your mama? Il vous dit, c'est son petit frère, mais c'est une autre maman qui l'a accouché. Ce n'est pas sa maman qui l'a accouché, mais c'est son petit frère. Et il vous pose la question, est-ce que vous croyez? Vous acceptez? Oui, non. There's an argument. Whether they believe this story that you are my brother from another man. That's a debate. Okay, can you open those questions? Okay. Have you opened the email? Okay. Okay, so, and you are the head in charge, is that correct?
And your name again, sir? Okay. I'm sorry? Mr. Fuku Yenda Imo. Okay. All right. You may not have heard of Mr. Njinka, but you have a wonderful building here. Do you know how the building came to being? Bonjour, class. Bonjour, class. Bonne année. Bonne année. Ok, merci beaucoup. Peut-être que vous avez entendu parler du docteur Dominique Njinka. Est-ce que quelqu'un d'entre vous le connaît par hasard? Non. Ok. Donc, le bâtiment où vous vous trouvez, est-ce que vous avez déjà entendu parler du feu Jean-Baptiste Ngondji? Oui. They say what? The native will know him. The native know John. But not the children. Ah, okay. Donc, c'est vrai. Si vous connaissez le feu, Jean-Baptiste. Monsieur le catéchiste Jean-Baptiste Ngondji, nous venons de la part de leurs enfants. Ce sont ces enfants qui nous ont envoyés de leur part parce que dans la mission, les enfants du feu Jean-Baptiste Ngondji, le feu catéchiste Jean-Baptiste Ngondji, ont entrepris d'aider l'évangélisation dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tonga. Et puis, à travers cela, ils ont manifesté cette façon d'évangélisation par la construction de ces bâtiments, de cette école, feu l'abbé Pierre Dier, là où nous nous trouvons en ce moment. Donc nous venons de la part de ces enfants-là, des enfants du feu Jean-Baptiste Ngondji. La question que j'ai, nous avons, qu'il nous a demandé de vous poser, donc, c'est que ok, maintenant, il vous pose. Je pense que c'est peut-être au directeur de l'école de lui donner votre appréciation par rapport aux activités de l'école. Bon, la question s'adresse aux élèves et le directeur est le père de ces élèves, c'est lui qui couvre les élèves. Je dis que l'école, dans son ensemble, est appréciable. Les efforts, on constate qu'ils sont vraiment engagés. Puisque nous sommes à notre deuxième année et nous sommes la deuxième école en infrastructure. Wow. Sur 5 écoles. Le village compte 5 écoles et chaque école ne compte que 2 salles de classe. Nous avons déjà 4 salles de classe, un bureau. D'autres écoles n'ont pas de bureau. Nous avons un bureau. Bon, je me dis, et les travaux sont en cours. J'ai vu le sable, ça c'est, on continue. Et on nous avait promis que cette année, il y aura encore une construction d'un bâtiment de 2 salles de classe pour avoir un cycle complet. Nous ne pouvons que remercier les efforts qu'ils sont en train de faire, sans savoir même à qui ils le font. Okay. C'est nous qui bénéficions de ces efforts. Okay, what he is saying is this, the question was how their appreciation for, you know, the activity that the family of late Ngondji, of the kid of late Ngondji John Baptist have done. So yeah, through this, the construction of this. So he is saying that it's already, you know, they are very grateful to receive this building, and without even the person doesn't even know them because they don't even know who it is. Who's actually physically they have never met him. So for them to do this, so they are very grateful, and then they are the first. They have 5 other schools around. This school is the first because each one of those schools has only 2 classes. So the entire school has 2 classes. But their school in the
So this is the second year. So they have only four classes. So that means that even the number of students is higher than in other schools. So they are very, very welcome. They are thankful for that. Okay. Bonjour. What? I have a question. Okay. May I ask you one question? What is the furthest somebody walks to school to hear? La question que M. Robert vous demande, c'est que qui, combien de kilomètres est-ce que le plus loin, celui qui reste le plus loin de l'école, parcours? Oui, ici. Et il ne faut pas évaluer. Je crois que c'est la croix. Ceux qui marchent, ceux qui sont un peu loin de l'école, parcourent 5 km. 5 km. 5 km. About 4 miles. Wow. Okay. So this kilos. Okay. La deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir si l'école avance, Bandunga, si l'école avance, l'école avance Bandunga, et si l'objectif initial ou réponse est en train de se réaliser, et comment faire pour mobiliser tout le monde, y compris ce monde, à s'y mettre. L'école, on dit souvent que l'école catholique est la fille de l'Église. C'est la fille de l'Église. Nous voyons que si à l'Église catholique aujourd'hui, il y a 5 personnes, ce sont ses enfants. Et moi, je me dis que puisque ici au village, l'école part de l'école maternelle jusqu'en terminale, ça fait en tout 14 ans. Je crois que l'évangélisation catholique va fonctionner ici pendant 14 ans avant qu'il ne parte à l'université. Je crois que ça, c'est une bonne pépinière. Et parlant de comment faire pour que d'autres mettent la main à la pâte, je me dis, c'est vous qui êtes à l'extérieur, puisque nous sommes coupés du monde. Nous n'avons ni internet ici, ni réseau téléphonique. Nous sommes vraiment coupés. C'est vous qui allez tendre la main aux partenaires pour nous aider. Nous avons besoin de vos aides. Franchement, nous n'avons pas de bureau. Voilà où le maître s'assoit. Les bouchis. Regardez, les beaux passent par là pour chier. Les enfants ont des craintes de bureau. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous vous disons merci. Qui dit merci demande encore beaucoup. They have the same. Qui dit merci? The same thing. So, next question. C'était là. J'explique à Robert. Okay. Did you hear? You got it? Right? I got it. You have to translate it later on. Very, okay, but very quickly, but just high level. Yeah, it was the question was to ask if the objective of the school, what if it's been met, accomplished. The intent behind the being met. They said yes. And looking at this, because they start from kindergarten all the way to high school, so he is seeing here future 14 years here, and this future 14 years equal 14 years of evangelism on behalf of the Catholic mission. And then before they go, now before they go somewhere to the university, they will always already be, the evangelism or Catholic evangelism would have already been instilled in them, and yes, the culture that yes, going yes. And the mission. The other question in that question was the how people can help. What do they need? What help do they need from everybody to put, And he mentioned this is the office. Their offices. For the teacher. For the teacher. They don't have
office. Office. Then house comes and they put them all over on the bench, all over the floor. And the kids are very scared of house. Oh. So that, you know, they're painful. Okay, there are no doors here. Already. Right? There are doors. Oh, but since there's no ceiling, since there's no ceiling, what has already been done, and a lot needs to be done. Those of us who are out, they appreciate whatever help we can give them because they are totally cut off from communication. There's no network, there's no internet, so they are just cut off from everything else. So if they can be helped from outside, they will appreciate it. Okay.